Art Human Painting. Aujourd'hui, on va attaquer le... C'est Fifi qui arrive, comme d'habitude. On va attaquer le Human Painting de l'arbre du printemps, de la boutique Metty James. Voilà. Donc, je vous le remontre, pour celles qui ne l'avaient pas encore vu. Fifi veut bien s'asseoir. Voilà, donc c'est celui-là. Vous vous rappelez que j'ai déjà fait celui de l'hiver, hein, le bleu. Donc je vous remettrai ici, ou là, je ne sais plus, le lien de la vidéo de l'autre arbre. Bon, bouge tes fesses, merci. Voilà, donc là, c'est celui du printemps, donc il va être beaucoup plus coloré. Donc c'est toujours un 30-30 hein, pour la toile complète. Et il va être fait également en perles, en diamants spéciaux. Voilà. Donc c'est des strass. Voilà, je cherchais mes mots. Donc voilà, les petits. Bleu. Les noirs, là, les verts, voilà, je crois que ça faisait pas le point, là, les roses, les rouges, ici des blancs, là, des petites gouttes couleur bleue, voilà. Celle-ci, c'est des blanches, mais holographiques. Là, des plus petites couleurs plutôt... C'est pas jaune, c'est plutôt... Ça fait diamant, mais un diamant jaune, un peu beige, marron clair, voilà. Et les derniers, des plus gros diamants bleus, un peu holographiques aussi. Voilà. Donc, dans celui-ci, j'ai 12 couleurs. Voilà. Donc, voilà, les références sont notées ici. Et elles sont renotées ici en haut. Donc, bon, là, je ne l'ai pas repassé. C'est comme l'autre, j'ai pu penser, mais bon, c'est pas un problème. Donc, pour celles qui se demandent si on peut repasser les kits, oui, c'est pareil, je ne sais plus sur lequel. Je vais rechercher lequel de kit que j'avais repassé et je vous remettrai le lien ici, pareil, pour vous montrer comment on repasse un kit. Voilà, pour bien qu'il soit bien droit. Donc celui-là, je vous dis, il vient de la boutique Mes Petits Diams. Donc comme d'habitude, je vais vous mettre en barre d'infos les liens du kit, le lien de la page Facebook de Coralie, les liens de sa boutique. Et je vous remets également le code promo qui vous permet d'avoir moins 10% sur votre commande. Si vous n'avez pas encore commandé dans la boutique. Voilà. C'est toujours bon à prendre. Donc, dans la boutique Mes Petits Diams, donc vous trouvez des kits comme celui-ci, avec des diamants spéciaux. Vous trouvez également des kits complets, en diamant carré ou en diamant rond. Vous trouvez aussi des petits accessoires à faire en diamond painting, genre marque. Pages, porte-clés, voilà, des petites choses comme ça. En ce moment, elle est en train de mettre beaucoup de nouveaux kits qui sont super beaux. J'ai déjà repéré 2-3 là qui me plaisent vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller voir la boutique.
Et surtout à cliquer ben, sur les nouveautés pour voir ce qu'elle a mis en nouveautés. Ils sont vraiment très jolis. Là, bon, comme vous le savez, en parallèle, vous avez dû voir la précédente vidéo. Donc, je suis en train de faire également le kit de Johnny Hallyday, qui est là, un kit plein en diamant carré, et qui vient également donc de la boutique Mes Petits Diams. Bah sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pas grand-chose, que là, je vais encore me régaler à le faire, parce que j'ai pris goût à faire ces kits-là. Avant, bah, j'ai toujours aimé faire des très grands kits, et là, maintenant, bah, j'aime bien faire des petits comme ça, entre deux. Je les trouve super beaux, et puis le rendu est toujours vraiment très très beau. Voilà. Sinon, rien de spécial. Bon, ben là, je vous avais expliqué. Hein. Voyez, on voit plus le tableau des dauphins. Il n'a pas encore été remis. Et j'ai un deuxième tableau qui est tombé. Voilà. Ce matin, avant que je me réveille, j'ai entendu, mais mon mari était déjà levé. Il y a un deuxième tableau qu'on a accroché aussi avec les doubles faces spéciales tableau. Et là, c'est la fée qui est tombée. Voilà. Donc, là, par contre, le cadre a tenu, mais c'était une vitre en verre. La vitre a cassé. Donc, ben, là, bon, là, vous ne pouvez pas le voir, mais devant moi. Du coup, on l'a remis en haut, dans ma pièce. Pareil, pour attendre de reprendre un cadre. Donc là, bon, maintenant, c'est terminé. On ne mettra plus de double face spéciale tableau derrière nos cadres. Là, c'est sûr et certain, parce que ben, ça ne tient pas. Voilà, à la longue, ça part. Je pense qu'avec la chaleur du chauffage, ou je ne sais pas, mais ça s'en va. Donc voilà. Donc n'allez pas acheter ça parce que vous allez retrouver bah, vos tableaux par terre. Voilà, vous voyez, sur une de mes vidéos, je vous conseillais ça parce que je vous disais que c'était super et tout. Mais non, bon, bah, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Hein. Non. Prenez votre petit marteau, vos clous, vos vis, vos tournevis. C'est la meilleure méthode, voilà. Et bon, là c'est pareil, j'ai eu de la chance, le kit en lui-même ne s'est pas abîmé, il n'a perdu aucune perle, c'est juste la vitre du cadre qui a explosé en tombant, et là elle est tombée sur le bureau, et heureusement il y avait l'ordinateur à mon mari juste en dessous et c'est pas tombé dessus, heureusement. Bon, voilà. Donc là, on va décrocher celui-là avant qu'il tombe. C'est le cheval. Et on a aussi notre photo de mariage qui est accrochée comme ça, que l'on va retirer aussi avant que ça tombe. Parce que sinon, ben, on va tout retrouver. Puis bon, là, ça risquerait de s'abîmer. Hein. On a eu la chance sur deux kits que ça ne s'abîme pas. Mais bon. Le troisième, on aurait peur que ça s'abîme maintenant. Voilà. Donc, n'achetez pas ça. Hein. Sur la longueur, ben, ça ne tient pas. Voilà. Allez, je vais vous basculer. Maintenant, je vous mets avec mon petit bras. C'est beaucoup mieux. Et on va attaquer donc ce nouveau DP. Ensemble. Allez, à tout de suite. On va commencer. Voilà, je vais commencer par les noirs. Donc les noirs, ça va être le tronc d'arbre. Donc c'est toujours très agréable de le faire. Très facile, la colle tient bien. Hein.
Donc là, je vais faire bien attention de ne plus me tromper, comme j'avais fait avec le premier arbre. J'avais confondu deux sachets de perles. Et là, bon, je vais faire bien attention. Allez, on va accélérer.
beaucoup. Alors voilà, j'ai terminé pour ce soir. J'ai pas terminé le kit, mais j'ai terminé ma séance de DP pour ce soir. Voilà, je vous montre où je suis arrivée. Voilà. J'essaie de vous montrer si ça brille. Donc voilà. Là, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 couleurs à mettre. Voilà, il me reste 6 couleurs à mettre. Donc, j'en suis arrivée à la moitié. Voilà. Bon, comme d'habitude, très agréable à faire. Aucun souci de perles, de colle, de tout va bien. Sinon, là, bon, vous voyez, il est vraiment très très coloré, il est très joli. Il est vraiment très beau aussi. Donc, voilà. Et là, une petite une grosse fleur, mais tout est très très beau. Donc là, ce soir, j'arrête. Je vais aller me coucher parce qu'il est bientôt minuit, comme d'habitude. Et puis là, je suis un peu fracassée ce soir. Je suis fatiguée. Et là, pour me détendre un peu ce soir, enfin, c'est ce que je fais régulièrement quand je fais du DP. Je ne sais pas si vous connaissez l'ASMR. Voilà. L'ASMR, on trouve ça sur YouTube. C'est des vidéos. On va dire, c'est des vidéos de relaxation, si on veut, où la personne chuchote, fait des petits bruits, fait des bruits, on appelle ça des déclencheurs. Bon, il y a des personnes... Non, arrête, Fifi. Il y a des personnes qui vont accrocher tout de suite, ben, comme moi. Moi, j'accroche directement à ça, à l'ASMR. Mais il y a des personnes qui vont pas du tout accrocher à ce genre de vidéo de relaxation. Il y en a, bon... sur YouTube, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos ASMR. Donc, il y a à prendre et à jeter. Voilà. Parce qu'il y a des trucs qui sont complètement stupides. Une fois, je suis tombée sur une femme qui faisait de l'ASMR et faisait des trucs en mangeant un cornichon. Non, c'est pas ça. Moi, je ne regarde qu'une seule chaîne d'ASMR. Donc, peut-être que vous la connaissez. Bon, elle a énormément d'abonnés. Elle a quoi je suis sur sa chaîne, là. Attendez. Elle a 165 000 abonnés. Donc, ça marche vraiment très bien. Et c'est une personne qui est vraiment très douce, qui parle super, très lentement, très doucement. Tout. Et donc, elle, sa chaîne, ça s'appelle Sandra Relaxation ASMR. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Si jamais ça vous intéresse, allez voir par curiosité ou si vous connaissez si vous connaissez pas sa chaîne mais que vous connaissez l'ASMR. Voilà. Et donc j'aime bien faire ça quand je fais du DP, bon, le soir, pas la journée, parce que sinon la journée je vais être sur mes petits nuages, parce qu'en plus ça aide à dormir le soir, vraiment à vous relaxer quand vous n'êtes pas fille. Ah, ça y est, c'est accroché. Quand vous n'avez pas une fifi qui vous embête, voilà. C'est vrai que le soir, ça relaxe. Ah, oh, ça fait du bien.
Et moi, j'ai connu ça parce que, bon, ça, je vous en parlerai peut-être une autre fois, mais bon. Parce que j'ai une maladie rare, très rare, et qui me donne des douleurs très mal placées, puisque mes douleurs se mettent sur la langue. Voilà. Et là, je ne vous dis pas, vu le contexte actuel. H24, j'ai mal H24 en ce moment. Et donc, quand je regarde une de ces vidéos, ben ça m'apaise et j'oublie ma douleur. Ma douleur, elle est plus là. Enfin, elle est là, mais j'oublie. Donc, et ça, donc l'ASMR plus le diamond painting, alors là, je suis sur un nuage. Je suis vraiment très très bien. Et puis, je vous dis, il y a des personnes qui vont pas du tout adhérer, hein, à l'ASMR. Ça se comprend, hein. Il faut vraiment accrocher. Moi, j'accroche vraiment. Les bruits déclencheurs, tout ça me font de l'effet. On doit écouter. Alors, si vous écoutez des vidéos ASMR, par contre, il faut écouter avec un casque, obligatoirement. Parce que sinon, vous n'avez pas l'effet qu'on doit avoir avec cette méthode. Si on l'écoute comme ça, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas le même ressenti. Voilà. Donc, il faut mettre des casques, un casque, obligatoirement. Et je disais ça pourquoi? Je ne sais plus. Ouais, donc, oui, je mets mon casque, je fais mon DP, je vous filme en même temps. Et puis voilà, moi je suis sur mon petit nuage. Donc là, ce soir, je me suis mis ça, je me suis mis l'ASMR, j'ai fait mon petit arbre tout en filmant pour vous. Donc voilà. Bon, je vais arrêter de blablater. Je vais vous laisser pour ce soir. Puis là, je vais me coucher. Parce que je tombe. Le temps de tout ranger. Donc, le temps de tout ranger, ben, je ne serai pas dans mon lit avant minuit et demi. Donc, on va y aller. Allez, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Et on se retrouve très rapidement, comme d'habitude, pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Allez, à très bientôt. Bisous, bisous. Je vous embrasse tous.